Bonjour tout le monde, c'est Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Resident Evil Révélation Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Arrête, fais un geste! Elle essaie d'activer le système d'autodestruction du bateau pour détruire l'épreuve. Séquence d'autodestruction amorcée. On dirait que ma charmante assistante a joué son dernier coup. Alors, est-ce que vous y voyez plus clair maintenant? Jessica! Désolée, Parker. Dieu, mes amis. Resident Evil Révélation. Épisode 11, la révélation. On est en enfer? Ouais. Il l'appelle Terra Grigia. Cet endroit ne va pas faire long feu. C'est vrai. Allons dans la salle des commandes. Ouais, c'est jouer un autre, je suis un peu dans la merde, j'ai plus. Le chef se battait pour étendre le pouvoir du FBC. C'est exactement ce dont il voulait avertir le monde. What's up, Tupac Machiavelli? Va révéler la crise au grand jour. Ça va être une bonne publicité. Ouais. Peut-être que la communauté internationale va enfin piger. Le FBC a beaucoup à en tirer. As-tu fait ton cooking stream? Ça serait supposé. Dimanche prochain. Tout se passe comme que je veux. Hier, j'ai mangé du homard en live, c'est tranquille. Au lieu de manger tout seul. Oui, tu... C'est pas... Oh, calique! J'ai pas vu, lui. Hey, vas-tu mourir? Je crois que c'était le dernier. Comment ça va, papa Jou? C'est bon, ça va aller. Tu es seulement amoché. Ne joue pas les durs. Ok, l'un de nous doit l'aider. Moché, c'est un sang partout. Le QG t'a demandé de partir. Suis les ordres, Raymond. Tranquille, okay, merci. Pas persuadé. Allez, accroche-toi. J'ai terminé de query hier, mais c'était un fiasco. Il y a encore des civils ici. On doit faire quelque chose.
Parce que tous mes personnages étaient morts ou infectés, sauf une. J'étais comme bon. Ce qui est bien, je pense, je peux. Ce qui est bien, c'est je pense que je peux recommencer d'un tel. Un chapitre. Puis, toute ma game était parfaite jusqu'au chapitre. 8. À partir du 8, tout s'est gâté. Il faut jouer, là. C'est juste au thème que... que les décisions que tu vas prendre, ça va peut-être rien... Ah, je pouvais pas y parler. Là, il fallait que j'allais de toute façon. Y'a pas beaucoup d'action, tu sais. Ok, bon, mais c'est déjà... Si t'aimes des affaires comme ça, ben y'a pas de stress. Moi j'aime ça aussi, là, fait... J'aime un peu... Non, j'ai pas... Ouais, yasti... Je peux vous faire gagner du temps. Descends-moi. T'es trop jeune pour jouer les héros. Prends donc du galon avant de te faire tuer. On est rendu à la fin, je me demande ce qu'on va le faire. Ouais, deux balles comme si. Pas un bazookote là. Aujourd'hui, j'organise un souper. On est 9. On mange du Big Green Egg. On va mettre des tomahawks là-dessus, des ribs, du poulet. Je donne une porte fermée, je sais pas ce que je fais là. Puis, poitrine de bœuf aussi. En vrai, c'est quoi le massacre de sang partout? Quelle place je pourrais aller, c'est pas clair. Là. À traîner lui en plus. Ouais, j'avoue. Risquer. Laissez-le crever à la place, ben mieux. On devrait être à l'abri ici. L'unité médicale est au quatrième. On devrait pouvoir lui trouver des bandages. On va revenir, le bleu. Bouge pas de là. Tout va bien se passer. Allez, on y va, Parker.
parles de Raymond? C'est comme ça que ces gars apprennent, avec quelques coups de bâton. Ok, si tu le dis. Ah, les hommes et leurs petits jeux. Ouais, les green eggs, ça donne un bon goût à la viande, c'est... C'est un barbecue au charbon de bois. Un chemin j'ai pas vu. Ok, mais tu veux jouer avec... Ah, c'est par là. Je viens de voir la flèche a changé de sens. Mais le point est ici, tu veux jouer où? À moins que c'est le point en dessous pis c'est en bas dans les escaliers. Non, je peux même pas aller par là. Là, je suis mêlé, là. Ah bon. L'article du Daily, 12 pages. London Daily Courtier, la tragédie de Thérèse Grigia. Un monstre se dirige lentement vers l'Europe. Un fédéral bio-terroriste commission est la seule unique. Il est la seule unique. Il est né du très respectable Federal Specific Protection Committee, un organisme destiné à aider les États-Unis dans la lutte contre le bioterrorisme. Malheureusement, l'Europe a récemment été le théâtre d'une tragédie. Qui a engendré ce monstre? Le FBC s'est octroyé un contrôle total sur l'épidémie biologique qui a frappé Terra Grigia, interdisant à tout autre pays de participer aux opérations. Terra Grigia est une ville aquatique développée conjointement par les équipes de recherche américaines et européennes. Pour créer des sources d'énergie alternatives, la naissance de la ville répond à une double volonté, celle des Européens de lutter contre le réchauffement climatique et celle des Américains de développer de nouvelles sources d'énergie pour l'Afrique, d'où sa position stratégique en Méditerranée. Le projet Terra Grigia a été géré par les deux parties, c'est en cela une parfaite produit. Un parfait produit de la coopération entre les États-Unis et l'Europe. Mais l'attaque terroriste a mis fin à ce rêve. D'après les conditions stipulées dans le traité qui régit la direction de Terra Grigia, les États-Unis et l'Europe font l'autorité en cas d'attaque terroriste. Ce n'est qu'en cas d'attaque bioterroriste que le FBC prendra le relais. Le FBC a été créé dans le but de faire face à la menace bioterroriste et il possède un contingent de soldats d'élite disponibles à tout moment, ainsi que la charte la plus complète de toutes les organisations européennes en temps de crise, le FBC à l'aval des États-Unis pour prendre la situation en main. Voilà comment le FBC est venu à gérer le désastre de Terra Grigia. Le commissaire du FBC, Morgan Lansdale, a annoncé qu'il ne tolérerait aucune ingérence européenne tant que son agence serait en charge de cette affaire. Les autorités européennes compétentes ont convaincu Lansdale de respecter leurs droits et ont réussi à imposer la présence sur place du commandant Cleaver O'Brien du BSAA. Une ONG internationale très respectée, toutefois, même si O'Brien est lui-même un expert en bioterrorisme, il dispose d'un personnel très réduit, ce qui limite grandement son champ d'action. Alors que le monde prend peu à peu conscience de l'étendue de la catastrophe, il semblerait que le FBC reste insensible à la souffrance de Terra Grigia. L'avenir nous dira bientôt si Lansdale possède l'intelligence et les compétences nécessaires pour résoudre cette crise sans perdre sa crédibilité. Bonne chance! C'est vrai, on est juste mercredi aujourd'hui. Je me demandais. Bon, mais ça m'a rien donné, ça, de cliquer là-dessus.
Putain, je vais revenir ma patience là. Oh, je vois du mauvais sens. Force-toi, toi. Ah ben, calé. Qu'est-ce que je vois pas? Ah, la porte qui est là? Non. Je peux pas aller par là. Ah, je peux passer par là, ouais. L'unité médicale doit être là. C'est proche. Il a tenu la bandage. Ah. Parfait. C'est ce qu'il me faut. Ça devrait aller en attendant.
pont est en danger. On doit y retourner. Je savais que ce bleu nous créerait des emmerdes. Ne t'en prends pas, lui. C'est pas sa faute. Tu vas pas mourir. Reste en vie, c'est un ordre. On arrive. Ok, on est sain et sauf. On va pouvoir s'occuper du petit nouveau. Gravement blessé? Ok, gamin. À charge de revanche. Bon, je comprends. Tu veux faire ton boulot. Mais joue pas les héros. Tu risques de faire tuer toute l'unité. Bienvenue dans le monde réel. Oui, chef. Voilà. Ça devrait te soulager. Je crois que je peux marcher. Alors suis-nous. L'ascenseur qui mène à la salle des commandes est juste là. Encore. Réfléchissez. La livraison et la répartition de ces armes biologiques, c'est trop professionnel. Et comment elles ont pu échapper au réseau d'information globale du FBC? Il y a un truc qui cloche. À moins que quelqu'un voulait que ça arrive. Petit, tu dépasses vraiment les bornes. On n'est pas là pour mener l'enquête sur cette affaire. On est là pour la résoudre. Mais tout ce que j'ai dit... C'est logique. Allez, on avance.
La salle des commandes est pas loin. Fais tout pour protéger le bleu. Je sais que t'es blessé, mais reste avec moi. Bon, allez. On va s'occuper de ça. Le bleu, va te mettre à l'abri dans la salle des commandes. Oui, chef. J'y vais. J'ai compris ce qui m'a tué, pourtant j'étais à 100%, c'était... Il y a des balles partout, on va tout prendre.
que c'était le dernier Hunter. J'espère bien. Allons à la salle des commandes. Bon, on ira voir la boîte. Oui, je comprends. Et je vous entends parfaitement. C'est une excellente nouvelle. Tout est parfaitement en ordre. Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman. Morgan, vous aviez prévu de répandre le virus sur notre navire. Eh bien, c'est chose faite. Ce n'est pas fini. Vous avez encore un rôle important à jouer. Ce navire est un milieu parfaitement clos. Et les données sur votre mutation serviront une cause honorable. L'audace de vos ambitions égoïstes est vraiment très impressionnante. La façon dont vous, Américains, pouvez rêver me dégoûte. Je prends cela comme un compliment. Nous savions que vous pourriez être une menace. Alors nous avons gardé des enregistrements vidéo de nos transactions. S'ils sont rendus publics, vous êtes fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'utilisation du satellite a été approuvée. Le nouveau virus va être entièrement détruit. Espèce de salaud ! Tu seras bientôt là où, voyant la cause de ce souffle, l'œil à ta question répondra. Jessica s'est enfuie. On y était presque. Désolé, Raymond. T'avais raison. Depuis le début. Heureusement, quelqu'un y a vu clair dans tout ça. Ne sois pas si dur avec toi-même. Je te rendrai l'appareil. On s'en sortira mieux. Oh. T'as tout compris, gamin. Raymond avait compris que Morgan jouait un double jeu, alors nous lui avons tendu ce piège. La réapparition de Veltro. La base dans les montagnes. Et la coordination des bateaux. Tout ça pour coincer Morgan. Mais vous auriez pu au moins nous le dire. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Surtout pas avec une taupe au PSA. Désolé. Tout ce travail. Et le Zenobia et le Semiramis. Oui, je sais. Mais je n'ai pas abandonné. Kiss et Quint nous ont laissé une carte maîtresse à jouer. L'analyse des données qu'ils ont envoyées, j'ai reçu le résultat. Alors, que disent-ils ? Nous pensions que Veltro avait utilisé deux vaisseaux jumeaux pendant la panique de Terra Grigia. Mais il y en avait un troisième. Le dernier bateau. La fin de la révélation. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Dites-nous tout, O'Brien. Et n'oubliez rien. Tout est parfaitement en ordre.
Profitez bien de votre petite fête sur le Queen Dido, Norman. Raymond avait compris que Morgan jouait un double jeu. Alors nous lui avons tendu ce piège. La réapparition de Veltron. La base dans les montagnes. La coordination des bateaux. Tout ça pour coincer Morgan? Je sais, mais je n'ai pas abandonné. Kiss et Quint nous ont laissé une carte maîtresse à jouer. Mort de la reine, épisode 12. Le dernier bateau. Oui, le Queen Dido. Il repose oublié au fond de la mer depuis ce jour. Ce qui veut dire qu'on le trouvera. À Terra Grigia. Exactement. Il est de notre devoir de mener cette mission à bien. Terminé. FBC, personne ne bouge! Tout le monde les mains en l'air! Morgan Lansdell. Mettons un terme à cette mascarade. Le BSA est maintenant sous le contrôle direct du FBC. Clive R. O'Brien. Vous êtes en état d'arrestation pour collaboration avec le groupe terroriste Veltro. Hein? Chris, Jill, vous êtes notre seul espoir. C'est ici. Les ruines de Terra Grigia. Et le Queen Dido. Le point de largage est là. C'est le Queen Dido. Le troisième bateau. Salut Jess. Vieille branche. C'est gentil ça. Comment tu vas? Tranquille. On va jouer un peu avant d'aller. Mais là, j'arrive à finir ce jeu-là pour aujourd'hui, mais. J'ai faim aussi, je vais aller dîner. J'ai des achats à faire. Je commence à souper vers 4 heures. On fait du Big Green Egg aujourd'hui. Big Green Egg. C'est une sorte de barbecue. Et un barbecue au charbon de bois. Quelque chose a survécu. Sois prudente, tu pourras pas les repousser sous l'eau.
F de Autriche. Comme que je dis, c'est une sorte de barbecue. Ça s'appelle comme ça, Big Green Egg. Mais c'est au charbon de bois, c'est pas du charbon de pierre. C'est une serrure électrique. J'espère que le système électrique de secours marche. Les câbles ont été arrachés. Je vais les réparer. Ok, je vais essayer de remettre le courant. Je comprends pas là. Bon, on l'a eu. Jill, la porte est ouverte. Ok, je reviens tout de suite. Et pour dire, je t'enverrai des photos du souper, mais je réalise que je t'ai même pas sur aucun réseau social. À part que t'en es fan, je me suis abonné. Je communiquais jamais avec ça. C'est surtout qu'il fonctionne pas sur mon cell, Discord. Quand t'es sur PC, mais moi je suis sur Xbox. La fonction Discord fonctionne pas, c'est bizarre. J'ai obtenu un dictaphone. Ici l'agent Dario Barioni des forces armées du FBC. Il est 19h48. Et si jamais une équipe trouve cet enregistrement, elle devra le remettre au général Lansdale. Tous les
les membres de mon équipe sont morts, tués par le diable en personne. Nous n'avons pas récupéré le journal vidéo. Notre mission a échoué. Veldro, ils n'ont pas attendu que la mort vienne à eux. Quand le FPC est arrivé, ils nous attendaient. Le désir de vengeance les a maintenus pour... J'ai un Discord, mais il est plus comme mort tout de suite. Même s'il y a encore des gens actifs dessus. Il y a des alertes qui sont en voie tout seul, c'est déjà fait. Voyons, je vois rien. Hein. Et le jeu que tu joues. On est 5 dans ma communauté, c'est pas dur à connaître. À chaîne ensemble. Gardien de vérité. Aussi longtemps qu'il le faudra. C'est drôle. Jack Norman était le chef de Veltro. Et il a la vidéo qui peut faire tomber Lansdale.
Ben. On termine cet épisode-là, ou chapitre, ou peu importe, cette partie-là. Jusqu'à ta gagne sauvegarde. Et on terminera le jeu demain. Salut Ramstek Catchford 84. Confirme la vérité pour mettre à jour ton petit jeu hideux. Pas bien. Le Péada de Norman. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil Révélation live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!